de Vorel Lotil, permettez-moi de vous exprimer la joie et l'honneur de vous avoir avec nous pour cette rencontre. Vous avez été invité à devenir membre Lyon et nous sommes heureux et fiers de votre acceptation. En vous acceptant, le comité des effectifs et le bureau de direction du club croit que vous serez un atout pour notre club et le Lyonis international. Double mission pour le club dessus et après pour le club aussi international. Voilà. Donc, j'invite le parrain, accompagné de son candidat, à se présenter à l'avant. Alors, notre ami, là, voilà, le parrain. Voilà. Donc, le parrain, Bernard de Germont, va pouvoir nous présenter le candidat, c'est-à-dire Laurent. Alors, je te donne la parole, tu nous présentes notre candidat, Laurent. Alors, Laurent est quelqu'un qui nous a retrouvés sur le club de Vauréal, après plusieurs rencontres. Et il s'est engagé dans les actions, déjà, ensemble. Il a fait merveille, avec son sourire, sa bonne humeur. Et ce qui est surtout à retenir, c'est son application à rentrer dans le lyonisme. Et il partage avec chaque ami les idées qui nous unissent. Voilà, je peux dire de Laurent pour le moment. Je pense qu'il parlera plus profondément de son parcours après l'imprimisation. Voilà. Donc, alors là, on va commencer à mettre les zines. Alors, Et on va demander à Laurent de s'engager après cette cérémonie de l'engagement. Thank you.
Si tu arrives dans la marche. Pourtant, on a assez révisé. Hein. Les statuts du club et de l'association internationale des clubs Lions, d'assister aux réunions régulièrement, de respecter mes engagements financiers envers le club. J'affirme également que j'aiderai à maintenir, construire et développer l'effectif du club, que j'aiderai le club en servant dans les commissions ou d'autres occasions si on a besoin de moi, que je suivrai les principes du club d'éthique et les objectifs du Lions International. Merci. Donc, moi, je vais vous lire, mais bon, pour les anciens, ça va me casser un petit peu la tête, mais tant pis, c'est pour remettre en mémoire ce qu'a fait le lancement du Lions, puisqu'aujourd'hui, nous sommes au centième. Donc, c'est un anniversaire, je pense, important pour tous les Lions de France et de Navarre. Donc, je vais vous faire un court récit qui me semble intéressant de répéter. En 1907, à Chicago, William Jones réunissait un groupe d'hommes animés du désir de servir et fit jaillir l'étincelle qui alluma la flamme du Dionys. J'invite le lion Laurent Omer à bien vouloir allumer la première bougie principale de notre fondateur. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de bougie, il y en aura peut-être pour la suite. Si, elle y est. Elle y est. Voilà, on est trop fort. Alors ça, c'était en 1917. Donne la bougie que tu viens d'allumer. Parce que t'as brûlé les doigts. Alors, je continue là brièvement. En 1922, la flamme de Lyonis se propage au Québec par la fondation du club Lyons Montréal Centre. J'invite... Alors, là aussi, on va essayer de courter, parce qu'à chaque fois, il y a une bougie à allumer. Je pense que vous le savez, je ne sais pas si vous le faites. En 1960,
Ah oui, d'accord. Donc la progression du Denis fait en sorte que le club Lyons aide à la fondation du Lyons Club et international. Donc allumé, on est encore dans les bougies. 1987, une année de grand changement, c'est au congrès international de Papeï, en Chine, que fut votée l'acceptation des femmes comme membres de Lyon. Alors c'est important, cette là, on souffle, c'est bon. 1987, on me fait signe de croix. Ah ben. D'accord, donc 1947, une grande date. Hein. Après, les clubs sont regroupés par zone, par région et par district. Donc, vous, vous connaissez tous le district et notre zone. Donc, interrogation, zone combien ? 9. District ? Île-de-France-Ouest. Bravo. Donc, 10 sur 10. D'accord, donc près de 2. Voilà, comme nous sommes en France. Voilà, bon, on va toucher la portée, l'histoire, le reste, vous le savez, je ne sais pas comment avec ça. Donc, alors, ce qu'on va faire, on va penser aux choses importantes, là, pour le nouveau Lyon, c'est l'invitation, j'en ai parlé, là. Et puis, on va épingler, Alors, puisqu'on a l'honneur d'avoir un PZ ce soir, je vais te confier une tâche. Tu vas accrocher cette, sur mon insigne, tu vas lui accrocher. Merci. Tu sais, c'est quelqu'un qu'on n'attaque pas ici, tu peux avoir un problème. Au nom du président international Victor Lui et de notre gouverneur Jean-Pierre Poulenson, je te remets cet insigne Lyon, symbole de ton appartenance à notre grande famille. Bon,
moi, je suis en redouble. Ça sera dans le gala de l'eau. Voilà, si on fait ça, ça ne va pas. Le club de l'outil. Bon, on photographie aussi le parrain. Tous les trois, tous les trois. Pas un marin, comme ça. Je le redouble. Eh, ta main, là, qu'est-ce qu'elle fout? Attends, attends, je te l'ai pas encore redouble. Tiens, si on peut. Vas-y, tiens les deux. Allez, on tient les deux. Donc, comme ça, je rachète quoi? C'est Facebook. Bon, allez, on continue les cadeaux. Alors, ça, c'est parce que c'est le gouverneur, on pense au gouverneur, parce que c'est important. Là, il n'y a pas plus de gens devant nous, parce qu'il est sollicité partout. Donc, il te remet ça, avec ça. Bon, on t'explique quand même ce que c'est le petit carnet. Hein. C'est la banque, tu as toutes les coordonnées. C'est l'annuaire, tu vois. D'accord. Il le fonction du district. Oui, c'est la France Ouest. Voilà. Lyon. Tu recevras tous les mois pour ce qu'il y a. Allez, cadeau. Regarde pas la date. Est-ce que c'est des infos, ça fait un moment. Ils sont de l'élevé. Voilà, donc... Donc je n'y vais pas dedans. C'est Dieu, il faut qu'on entende parler du parrain aussi. Parce que le parrain, il a une sacrée responsabilité. Oui. Donc, ben, mon grand, bah, tu vas lire. Ouais. Comme d'habitude. Alors. Je suis membre du Young Club pour la Latine qui a soumis ma candidature pour joindre le club. De ce fait, je deviens ton parrain. Ma faction n'est pas seulement de remplir une fiche de demande de la soumettre au président de la commission des affaires. En acceptant de devenir le parrain, j'accepte aussi les responsabilités suivantes. M'assurer que la cérémonie de ton intronisation soit vraiment solennelle, pour que tu sois fier de faire partie de notre club. De te donner le sentiment d'être utile et le bienvenu dès que tu porteras l'insigne. Je te présenter à tous les membres du club et veiller à ce que tu connaisses bien les fonctions des affaires, les différents officiels du club. T'accompagner aux premières réunions, t'aider à reconnaître la constitution et les statuts du club, rappeler aux officiers qu'ils doivent se confier des tâches qui se feront de toi à un lieu actif dans le monde. Dans le monde, répondre à toutes tes questions au sujet du club ou du lyonnisme en général. Encourager à parler de toutes tes difficultés afin d'y trouver une solution plus rapide. T'aider à cultiver tes qualités de chef. Bienvenue parmi nous, Laurent. Bienvenue parmi nous. Je vais peut-être vous laisser vous installer, parce que j'ai préparé quelque chose qui dure 40 minutes. après les 20 minutes de bol. Non mais, ouais, installez-vous les chambres. Est-ce qu'il y a des chambres de vous accueillir sinon avant, Donc vous pouvez les avoir. Je vais demander à Joseph, qui sait, qui connaît bien le disque, de nous en parler. C'est pendant cette cérémonie, là, dans le 3 qui est la guerre Lyon. Donc c'est un grand moment pour ce nouveau Lyon. Et je pense que toi, en tant que président de Toulouse, peut-être que tu peux nous dire ce que je pense que l'essentiel était dit. Le parrain, je suppose, a donné un certain nombre d'informations au jeune Lyon avant qu'il ne soit intronisé. Le lyonnisme, c'est une grande famille, comme on l'a prononcé tout à l'heure. Il y a quand même un certain nombre de clubs à travers le monde. Nous intervenons dans de nombreux domaines pour, comment dirais-je,
Améliorer le quotidien des gens. Félicitations. Merci. Voilà, je suis là. Allez, asseyons-nous.